Alors, je vais dire, tout fonctionne. Comme ça, ça évite de me fatiguer. Fatigue qui est probablement due à ce qu'on appelle la soirée du vendredi. Je vais couper le retour. J'arrive à faire plusieurs choses en même temps. Mais vous verriez ma tête, vous diriez, mais comment pourra-t-il y arriver? Ce n'est pas possible. Donc, on retourne sur Inside. Et son monde plus que festif qui va très 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 bien avec cette après-midi pluvieuse. Alors je ne me rappelle plus du tout où j'ai lâché le jeu, à part que si, il y a deux trucs dont je me rappelle, c'est qu'il y a beaucoup de monde et qu'en plus je me balade avec le casque, ce qui change un peu. Et je me rappelle que au-dessus, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a trois niveaux là, au-dessus il y a, il y avait un compteur. Bon, on va aller le voir, ce sera plus simple. Il y avait un compteur qui marquait 19, avec une grosse porte bien verrouillée, et on l'entend là. Il y a quelque chose qui tape, et il y a quelque chose qui tape, genre c'est pas du light, quoi. Non, les enfants, c'est pas ça que je voulais faire. Vous avez pas commencé à me fatiguer. Donc, ouais, il y a du lourd, comme on dit. Quoi, non. Mais je pense que cette zone, faut la faire après, là, que ce sous-sol où j'étais. Alors, est-ce que c'est là? Voilà. Donc, j'ai actionné cet inter. Je suis votre grand tout, lâchez-moi. Non, je n'actionnerai pas cet inter. Bon, enfin, peu importe. 20, 19. On est bien d'accord, c'est bien à ça que ça sert. Donc faut que je me ramène 12 Lascars ici. Sachant que j'ai pas souvenir d'en avoir croisé d'autres. Ce qui peut être gênant. Lâchez-moi. Vous restez là, les gars. Hein. Vous arrêtez de me suivre. Bon, ok. Alors au-dessus, ce qu'on a, je me rappelle plus du tout. Je ne suis même pas allé voir ce côté. J'ai l'impression d'être suivi un peu là. Alors les gars, ce que je vous propose de faire, c'est on va récupérer nos potes. Il y en a des enfermés en dessous, si on dirait y a un gars là-bas. On va récupérer nos potes, et si ça marche pas, ben on poussera. Mais on va d'abord tirer, logiquement. Allez avec moi, les gars. C'était bien ça qui était prévu, ça ne marche pas. Moi, ce qui va me faire rigoler, c'est si on redescend et qu'on retrouve les gars tout frais dispo, quoi. Parce qu'ils viennent quand même de se prendre un méchant gadin, comme on dit dans le jargon technique. Peu importe. Et à droite, on n'avait rien de particulier, il me semble. Alors aujourd'hui, j'ai la voix plus grave, hein, j'occupe. J'ai la voix plus grave parce que... Et tiens, on va essayer un truc. Parce que le vendredi soir, quand on sort, on reste souvent dans les courants d'air, car on est très mal. Dites les gars, est-ce que vous avez la capacité de me jeter là-bas? Ça sera un bon plan, non? Jetez-moi. Non, là-bas. Bien. Ça va toi? Comment ça? T'as pas la forme? Oui. Oui, effectivement. Alors là, je suis malheureux de pas pouvoir voir. Alors, il se touche la tête. Ça veut dire que d'y avoir un truc à commander là. Plusieurs. Il va bien. Il va très bien. Avec les gamins qui se prennent, ils peuvent
n'allait que bien, je pense. Bon, il n'y a pas de passage là? Non. Tant pis pour ma pomme. Alors pour revenir au 36-15 Malak, ouais, c'est super important quand même de prendre une crève avec l'arrivée des beaux jours. C'est super tendance, quoi. Si tu n'as pas une crève avec l'arrivée des beaux jours, tu ne sers à rien. Allez les gars, petite foulée. Donc je suis loin du compte, hein, il me semble. On va faire un petit récap. Ça marchera pas. Si on peut ramasser ce qu'on achetait, des gens, c'est pas très gentil, mais bon, c'est ce qui s'est passé quand même. Ça va, les gars, ça a l'air. Hein, allez. Et là-bas, il y avait une grille, il me semble, avec un lascar. Alors, faut que je me remette mon cerveau en condition, comme quoi on ne peut pas se déplacer ailleurs que sur la ligne invisible. T'es tout seul? Oh là là. Ouais, on va dire ça. Allez, mes gars. Ouh. Tendu. On va bien voir. Oui, mais non. Alors, j'ai pas fini l'action, là, donc. J'ai exploré en bas après. Merde. Donc, après, hein, on est bien d'accord. De toute façon, il n'y a rien. Du tout. Je vais réactionner ce truc pour voir, mais bon, apparemment, c'est coincé de chez coincé. Et les loulous. Eh, je fais pas trop le couillon, toi. Il faut donner de l'élan à ces lascars et les remonter à la dernière minute. C'est donc ça. J'ai pas regardé combien de temps ça mettait à se redresser. On va dire à partir de là. Et je pense que le passage avec la lanterne est le bon repère. En fait, le passage c'est entre les deux poteaux. Voilà. De toute beauté. Sont un petit peu fait jeter, mais ils sont pas très plaintifs, ça va. Il commence à avoir un peu de monde là, c'est pas mal. Combien qu'on est? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On n'est pas 19. Hein. Alors, on va retourner à droite, voir si j'ai rien oublié. À droite et en dessous.
Il m'en manque 4. C'est une bonne information. 4. Il compte, lui. 3. Ok. À droite, tout un. 3. Ok, on va y arriver. Ah là, c'était où j'avais récupéré mes lascars. Hein. Là, c'est où j'avais récupéré le casque. Donc, ça m'étonnerait qu'il ait besoin de quoi que ce soit et qu'il ait des personnes. On va se remettre tout le niveau en tête, hein, tranquillement. Il est un petit peu plus grand que la moyenne, celui-là. Mais au moins, les choses sont faites comme il faut. Et alors, tout à gauche, je me rappelle, il y a une espèce de gros wagon avec une espèce de sciure dedans. Enfin, il y a des silos au-dessus. Faudrait que j'arrête de regarder l'écran des retours en même temps que j'avance. Ce serait une bonne idée. Donc je disais qu'il y avait des silos. Je me suis bien fait avoir quand même. Les gars, j'ai une idée. Non, lâchez-moi. Et oui, j'avais pas compris ce qu'il fallait faire avec cette histoire de silos et de trucs. Allez, à plus. Je me casse. Non, mais n'insistez pas. Mais il doit y avoir une embrouille, donc ce silo doit falloir faire maintenant. Ok, c'est un coup pour rien, ça. Bon, en route pour le silo. Alors, voilà la chose. À gauche, notre énorme chariot. Voilà, Walou. Au-dessus, une trappe. Alors, le truc dont je me rappelle aussi, c'est que moi, quand je bouge en haut, ils sont tentés de me suivre. Ça veut dire que parallèlement en dessous, quand je vais me déplacer au-dessus, si je vais au-delà du chariot, ils vont le pousser sans faire exprès vraiment. Et en fait, l'idée, c'est de d'arriver et de tomber directement dedans, j'imagine. Ça doit être un truc comme ça. Allez, ma horde, plus haut. You can do it. À droite, y a rien du tout. Et là, on a ce. Moi, ouais, je vais me laisser tomber dedans comme une crotte. Voilà. Est-ce que c'est intéressant? Oui, je peux passer au-dessus, moi, du coup, maintenant. Voilà une fort bonne nouvelle. Donc ça, c'est une zone que j'ai pas explorée. Et là, je suis malheureux, là. Je suis très malheureux. Car je ne peux pas arracher la planche. Ah, et je peux monter, par contre. Là, ça sent la bonne blague. De la flotte. Ah, va-t-il me mettre des bestioles sous la flotte?
pas besoin d'aller dessous. C'est pas plus mal. Il y a baleine sous gravillon. Alors, il y a des messieurs là-haut. Oula, marche pas terrible cet engin. Je suis pas arrivé, moi. Alors, la première idée, ce serait de l'activer et de foutre ça dessous. Merde. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça de gagner. Hein. Alors. Il va y arriver. Suffit de trouver le bon timing. Presque. Je pars un peu trop tôt en fait. Mais ne serait-ce pas mes trois bonhommes manquants? En avant, les amis. Bon, je m'attendais à quelque chose de plus vache. Voilà qui est relativement rassurant. Petite famille réunie, le compte est bon. Il n'y a plus qu'à. N'empêche, mine de rien, ça tape. Et je pense que des émotions ne sont pas à exclure. Ouais, ça te va bien ce petit casque. Ouais, toi aussi, sympa. Et t'as vu les bretelles? Oh, terrible. Pas y aller. Ok. Des espèces de. Ok. Timing très très précis. Bon, ça tire en même temps. Ah, mais il y a une manette au milieu, je suis une andouille. Thank you.
Je n'ai pas compris celui-là. Je mériterais de voir le replay. Parce que j'étais derrière le truc, j'étais protégé normalement. Pas au deuxième coup, ça m'explose, ça doit être ça la feinte. Bon, restons là pour l'instant. Passe. Ça passe. Ok, je comprends mieux. Ok, expliqué comme ça, c'est plus clair. Oh, il est gentil, il me remet pas à perpète. Là, c'est bon, hein. Alors, en haut, je peux être caché, peut-être. En plein vol sont de toute beauté. Alors, ce truc, faut que je me l'arrête. Pile poil. Bon, réfléchissons un petit chouïa. Moi, je rentrerai bien dans le tuyau, du coup. Si c'est possible de revenir en arrière quand je suis au bord. Je voyais que ça, parce qu'après ça va devenir un peu tendu. Ouais, non, mais là il me feinte, je vois pas la soluce. Alors, dernière option, c'est aller à fond la caisse. Aller à fond la caisse et essayer de jumper dans cette espèce de capsule là, si ça vous va. Je peux pas aller plus loin de toute façon. Donc il y a une chose que je ne fais pas. Les cordages. Est-ce qu'il y a une saloperie à faire avec les cordages? Ouh, ça va être tendu là. Piu, 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 piu.
On va pas pouvoir détacher ces cordages, je pense. Alors, un truc tout bête, c'est si je laisse tourner ce truc en fait et que j'essaye de le suivre, ce qui n'est pas gagné, mais bon. Alors, est-ce que ça, si on le laisse tourner, est-ce que c'est possible de le suivre en haut? Hop, il protège. Là, il protège, il protège, il protège. Je commence à avoir un début d'idée indirectement, je pense. Oh, le prétentieux. Je sais pas si je suis en train de vous compliquer la vie pour rien. Ou pas. En fait, il faut que je le remette en route quand il est à 3 heures. Monter trop vite. J'ai oublié de l'actionner. Très 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 mal. J'observe un coup pour rien, histoire de bien me synchroniser. Hop, t'avances, t'avances, t'avances. Faut absolument être dessus quand il y a le saut. Il était bien tendu ce passage. Les trucs s'en vont. Thank you.
Qu'est-ce qui va m'arriver encore comme cochonnerie? Je suis l'innocence incarnée. Moi, je regarde des trucs qui s'ouvrent, je reste, je trouve ça joli, quoi. Oh là là, il a tout pas les faire, ce jeu. Ennuyé. Non, ça passe. Ah, il manquait la charnière du bas, je me suis fait éjecter comme une peluche, quoi. Voler. Ah, il y a la charnière là. Et non. Ok. C'est pas grave. En fait, le bras servait à me protéger. On va y arriver. Ah. Aïe, 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 même la descente glissée, il faut la prévoir. Café en rouge, j'ai bien mérité sur ce coup-là. Je vous laisse avec Vangelis 30 secondes. Et c'est reparti. Toujours ce vent à la noix là. Tueur. Du coup, on avance maintenant, on fait gaffe à tout. Que n'ai-je pas fait? Soulever la porte, tout simplement.
Oula. Ça va bien se passer. Je voudrais bien sortir, moi, les gars. Il n'y a rien activé. Je suis très déçu. Ah oui, il manque le petit sous-marin. Jolie souplesse. Et ça se referme. 5, 6, 7. Le saut direct, donc. Oh purée! On ne veut pas rattraper la corde dans l'autre sens? Bizarre. Chercher le petit keuf. Bon. Alors, il y a peut-être une autre astuce. Pourquoi je peux pas ressauter sur cette corde? C'est fou, ça. Faut faire un balancier. Ouais, ça va vraiment passer à la seconde près, quoi. Donc un balancier et zoop. Non, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que je suis malheureux. Réfléchissons voir 2 secondes. Bim, boum, bam, boum. Avancer jusqu'au bord, 1 seconde, sauter, 1 seconde,
Balancer en avant un coup. On va essayer le tout droit. Oui, non, mais ça passe pas comme ça. Alors, un ici, un inter là-bas. Et une plateforme à gauche. J'ai un méchant contre-jour derrière l'écran là. Ça peut être un bon prétexte pour moi. Et après, advienne que pourra. Celui-là, là, il marche pas. Ah, si, bizarre. Ça fait sûrement bouger la plateforme. Tiens, je vous laisse avec votre nouvel ami, le temps d'un petit sucre. Alors, revoilà cette bestiole qui a l'air d'être une fabrication maison. Qu'est-ce que je fais une fois là-dessus? Hop, 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 si j'ai trouvé. Parce qu'en fait, là où on veut nous emmener, c'est que ça, si je veux aller encore plus haut, bah, faut que je le bloque avec ça comme celui-là. Donc, faut que je le déclenche, que je déclenche vite l'autre, que j'aille sauter en face du premier coup sans m'arrêcher. Que j'avance le truc pour bloquer la plateforme quand elle sera en hauteur. Yaka. Sauf que. Sauf que la théorie de l'emmerdement maximal est ici. Donc si je veux avancer ma plateforme. De toute façon, c'est on ou off ça. Hein. Bon, ça se déclenche vite. Ça veut dire qu'en fait, il faut que je déclenche celui-là, que je déclenche celui-là, et je reviens quand celui-là commence à monter. Facile? Il me l'a fait un peu limite sur ce coup-là quand même, hein. Beaucoup même. C'est l'autre côté où il y a la bestiole. Je pense que la flotte, on va éviter. Je pense que la flotte, on ne va pas y couper. Donc, bien, bien, bien. On va prendre un peu de café quand même. C'est parti.
Timing, toujours du timing. Alors, je pense que mon avis, mon ami va me coller pas mal. Et qu'un grand jump vaudra mieux qu'un petit. Ce passage est un passage historique repris dans moult jeux vidéo. C'est le passage que l'on appellera donc le passage Pitfall. Ta base. T'es un peu collant, toi, machin là. Je peux peut-être monter sur celui-là. Est-ce que je m'emmerde? Il y a des fois vraiment quand même. Etc. Mais, vous le reconnaissez? C'est encore lui. Ne serions-nous pas encore une fois devant le fameux, l'unique, l'extrême, le génialissime, le sceau de la foi? Youhou! Échauffement. Vas-y, ta base, Gustave. Et n'oublie pas de remonter prendre de l'air. Oupinaise. J'étais bien mieux avec mon sous-marin. Bon, là, ça va pas passer en face. Oui, non, peut-être, on verra bien. Je sens qu'on ne s'aime pas beaucoup avec cette créature. Tu m'emmènes où là? Oula, oula, ça va mal se finir. Ok, il faut que je prenne de l'élan sur le bout du crochet d'Akodak. Donc il faudra actionner Stunter. Descends plus bas. Clac. Et là, j'en profite pour faire le balancier. Ça va être chiant, on y arriver. Ok. Mais du coup, il me remet sur la plateforme où j'étais, là, sauf erreur de ma part. Il n'y a aucun intérêt à la manip. Non! Pas la deuxième fois! Le jeu serait-il en train de m'expliquer que je ne peux plus aller à droite désormais? Ben si. Mais je peux y aller qu'une fois, quoi. Dans l'autre sens, c'est cuit. Est-ce que je me tente une petite exploration du en dessous, là? On n'est plus à une mort près, de toute façon. Alors, j'ai encore un interrupteur ici. Mais pourquoi tant de haine? J'ai pas saisi là en fait le cheminement, la logique. Donc là, j'ai encore un bouton qui est en bas. Mais qui est vachement bas, donc déjà je risque de me noyer. Et puis la bestiole est pas très commode. Là je vais actionner ça
ça va me remettre d'où je viens. Donc je vois pas trop l'intérêt de la manip. Si je me balance ici, quel intérêt? Il n'y met pas de la bonne volonté. Hein. Mieux. Aucun intérêt. Non, là, je sèche. Je pense que je vais faire une petite pause stream, le temps de trouver l'inspiration. Puis si je trouve pas, éventuellement d'aller sur le net, piocher ce qu'il faut faire. Mais je crois que les moultes essais que je vais faire sur ce passage avant de comprendre ce qu'il faut faire vont être pénibles à streamer. Donc on se retrouve soit dans pas longtemps, soit dans pas longtemps. C'était donc Inside. Je sais pas où on en est dans le jeu, hein, si on en a fait beaucoup. Et vu que c'est bien sympa, bon, on va continuer l'exploration tranquille, petit bout par petit bout. À plus.